Il dérobait des touristes à l'aéroport, un Algérien arrêté à Palma. Les autorités de Palma de Majorque ont arrêté un ressortissant algérien âgé de 56 ans, soupçonné d'avoir volé une famille de touristes allemands à l'aéroport. Les objets volés, comprenant 2000 euros en espèces, des montres de luxe et divers articles d'une valeur de 37 950 euros, ont été pris alors que la famille récupérait une voiture de location peu de temps après leur arrivée sur l'île espagnole. Selon les médias locaux, la personne en question a utilisé jusqu'à 21 pseudonymes dans une tentative calculée d'éviter les conséquences légales. Il a également déjà été détenu dans près d'une centaine d'affaires, rapporte SchengenVisaInfo.com. De plus, cet Algérien avait précédemment été interdit d'entrer dans l'espace Schengen, une mesure imposée par les autorités françaises en raison de son casier judiciaire étendu, dont il avait pleinement connaissance. Le groupe d'investigation de l'aéroport a récupéré les biens volés et facilité leur restitution aux parties lésées. Pour sa part, le ressortissant algérien a fait l'objet de poursuites judiciaires, aboutissant à l'émission d'une ordonnance de restriction concernant l'aéroport de Palma.